Bon, alors, on est de retour. Décidément. Hop, hop. Alors, attends, est-ce que ça vient pas plutôt de mes enceintes qui se sont mis à grésiller d'un coup? Et j'ai vu que mon PC était légèrement chaud aussi, ça peut aussi arriver. Hein. Non, ça le fait moins. T'avais pas coupé le live? D'accord. Ok. Bon, bah espérons que ça aille mieux, comme ça. Ah non! Du coup! Alors, ouais, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai déjà recommencé en fait la partie en Secret Agent, en agent à Secret Agent, parce que je voulais déjà Agent pour faire les manettes. Du coup, je me suis refait une config custom. Secret Agent, c'était pour tester si les cheat codes étaient là, et j'ai pas fait le truc assez à l'heure. Et voilà. Le problème, c'est que je ne me rappelle absolument pas des premières missions du mode 00 Agent. Et bon, on va partir sur ça. Tout va bien. C'est GoldenEye. En fait, je vais vous expliquer. Il y a une configuration de manette par défaut quand on est sur le jeu est court. Le jeu n'est pas si court que ça. En fait, maintenant, sur Xbox, on a la possibilité d'avoir le joystick de droite comme une visée classique des FPS. Alors que sur la version Switch, ça n'y est pas. Ça n'y est pas. Il faut des configs qui sont exprès sur Nintendo pour la manette de Nintendo 64. Sauf que adapter la manette de la Switch, c'est très bizarre. Par contre, ils ont ajouté sur la manette, sur le mode Switch, ils ont ajouté le mode 16/9e. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Alors, là par exemple. Voilà. Headshot. En agent 0-0, hein, donc. Le mieux c'est de. De rester le plus discret possible parce qu'ils font grave mal les mecs. Hein. Voilà. En espérant. Ils sont beaucoup plus résistants. Voilà. Ils m'ont repéré. De quel côté? Ah, de quel côté? Et je crois qu'il y a aussi moins d'armes. Donc en ce qui concerne le jeu, non, je pense qu'en. Je sais pas. Et il y a une vingtaine de missions hein, quand même. Après, tout dépend de. Tout dépend de ce qu'on fait en mission. Hop. Hop. On va prendre le sniper. Le problème du sniper, c'est que. Repérer. C'est que. Il bouge. Oh, putain, ouais. Pas les caisses là-bas? Voilà. Ah
Ouvrir en deux. Voilà. Oh, t'es passé à travers la fenêtre, toi. Et normalement, en fait, il y a un temps de mission pour avoir des petits codes pour le mode multijoueur. Donc, je pense que de toute façon, je vais refaire le jeu en multijoueur. Je sais plus s'il y a le. Non, putain, il n'y a pas le. Il n'y a pas le gilet pare-balles. Sauf s'il est peut-être en bas. Non, il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de gilet pare-balles ici. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de trucs qui sont explosables. Comme ça. Les caisses aussi hein, sont explosables. Et idéal pour barrer des pièges. On va passer derrière la. Derrière la camionnette. Hop. Et lui, on va le tuer direct. Il avertit ses copains. Et justement, c'est l'une de nos missions, c'est de détruire tout ce qui est alarme et tout. Ferme, c'est la porte là-bas. Je suis à la moitié de la vie, c'est pas bon. Pas bon du tout. Alors, attends. Il y a un truc par ici. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut que je prenne le couvert modem. Voilà. Le couvert modem, on peut pas le mettre où on veut exactement. Objectif B, c'est fait. Un DD. Comment il s'appelle? C'est le DD 64, je crois, qui s'appelle cette arme. DD 44, j'étais pas long. C'est pas le moment d'essayer de le niquer à distance, oui. Headshot. Assez gaffe parce qu'il y en a qui viennent directement. Ils ouvrent directement les portes. Il n'y avait pas son arme? Ok, alors on va essayer d'avoir lui. Vous voyez, regarde. Quand je vise de loin, le problème. Ok, oui, c'est fait. Là, il n'y a rien sur le quai. Ok. Mais je pense vraiment qu'il vaut le coup d'être fait. Ce jeu. Mais plutôt sur Xbox, du coup, avec la nouvelle maniabilité. J'ai pas vu. Voilà. Ah, il est même pas mort!
poil au milieu, je sais même plus. Oups. Pourquoi je passe par là? Parce que c'est un objectif, hein. Putain de ta mère. Pas d'autres? Si, carrément, carrément qu'il y en a d'autres. C'est quoi ce que je dois faire déjà? C'est quoi mes missions? Donc, intercept data backup. Intercept data backup. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Sans explosion. Ok. Nickel. J'ai plus énormément de vie, hein. Donc on va la jouer safe. Ouais, quand je disais safe, je pensais pas comme ça. Ah putain! J'étais sûr. J'ai pas rechargé la bonne arme. Je n'avais pas rechargé la bonne arme. Tuer en action. Allez, on le refait. On va pas. Si, en mode traduction, je sais pas comment on va faire. Ça risque de durer. Il y a 9 ans. C'est pour ça que je la joue hyper soft. Au vu de la difficulté, c'est assez chaud. Bouge pas. Voilà, très bien. Oui, il monte par l'intérieur. C'est vrai. Je vais courir là. Et je vais attendre là. Ok. Il ne m'a pas vu là-bas. Faudrait que j'arrive à le faire bouger, lui. Bien. Toi, t'as pas bougé là-bas, c'est très bien. Vas-y, viens là. Viens. Putain, l'enfant. Allez, viens. Ok, nickel.
un de moins. Et le deuxième, il devrait pas tarder. Voilà. Mon frère jumeau. Putain de ta maman! J'ai le truc, je vais recommencer. J'ai le truc, je pense. Voilà, le but, c'est vraiment de perdre le minimum de vie. Hein. Bilibilibi, bilibilibi, bilibilibi. Non, parce que sinon, celui-là, en mode agent, je le fais en 2 secondes. Hein, Oh, t'as pas un souci, toi? Hop là. Oh! Ça l'a pas tilté, lui. Alors là, je suis au snipe. Voilà. Donc là. Et voilà. Son arme ici. Un de moins. Deux de moins. Ah non, même pas. Il est même pas mort encore. Voilà, là il est mort. Le problème c'est que là tu vois c'est le premier niveau. Je vais tirer dans la tête, il est pas mort. Voilà, là oui. 2 balles dans la tête, ça devrait suffire. Je crois qu'il y en a 2. Ok. C'est toi qui te cherches. Pour récupérer toutes les armes immunes. En fait, j'ai l'habitude dans le jeu original, t'as le bouton recharger, le bouton action, c'est le même. Et là, en fait, je les ai configurés. Tu peux le configurer dans, en fait, dans la configuration custom. Voilà, celle que j'ai fait, c'est en gros, normalement, c'est le bouton A ou B, je sais plus, pour sur la manette de 64 pour changer d'arme, et du coup l'autre pour recharger et le bouton action. Seulement là, je les ai différenciés et j'ai les réflexes d'appuyer sur le bouton recharger pour faire l'action. C'est hyper, hyper sûr, mais je vais m'y réhabituer. T'as pas vu, t'as pas vu.
l'as pas vu. Je cours. Merde, il m'a vu. Ah, je suis étonné que l'autre il m'ait pas entendu. C'est vraiment. L'IA de l'époque, c'est vraiment aléatoire. Des fois, ils te voient de hyper loin, des fois, juste à côté, ils t'entendent pas. GoldenEye. Voilà, j'ai ouvert le volet ici. Et il vient par quel côté? Je suis étonné. Première partie du niveau et j'ai toujours rien perdu en vie. Je m'étonne moi-même. Modem installé. Pourquoi j'utilise certaines armes et pas d'autres pour tirer? Parce que je préfère économiser les balles les balles qui coûtent cher, les balles des gros trucs. Sachant qu'il y a des flingues qui ont des munitions partagées. Hein. Hop. Histoire de être sûr. T'as pas vu. Hop là, une balle dans la tête. Y aller. Sur ces trucs-là, vaut mieux y aller au silencieux. Ouais, il y en a. Lui, au fond, il s'est pris une balle dans la tête, il a rien dit. Voilà. Et une deuxième, ça suffit. Donc, on a dit. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain! Vous m'avez pas vu, les gars. Personne ne vient? Putain, il est venu me chercher. Je suis dans la merde. Viens me chercher, allez, viens, viens! Voilà, c'était couru d'avance. D'avance. En fait, je sais pas pourquoi sur la première partie, j'ai voulu aller jusqu'au bout.
Ilibip. Ilibip. Ilili. 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 Je réfléchis, hein, je regarde la carte. Bibi, bibi, bibi. Ah. Golden Eye Map. La la la. Mais ça, c'est les cartes multijoueurs, ça. Mission. Ah, on peut pas le voir. Est-ce que si je fais une recherche sur dame, voilà, dame, est-ce qu'il y a une carte? Ah non, mais par contre, il y a une solution sur ce site. Très bien, ça. Ok. En même temps, t'es pas très très bon d'infiltration discrétion. Merci, merci, Buffy, merci. C'est pas cool, ça. Chut. Pas le dire. Non, mais t'as vu, regarde, la première partie du niveau, je la maîtrise. Deux balles. Viens là, toi. Attirer l'autre, non? Elle l'a pas attiré, donc c'est déjà ça. Ah, attends. Je vais réussir à le finir, hein. Hop là. Voilà. On est d'accord. Toujours pas mort. Oula, ça tire vraiment à côté là. Je me rappelle vraiment les premières heures de la 64, ça. Hop là. Dans la tête. Et Yo Crypto, ouais, dans 007, c'était carrément plus visé. Ah, ta mère! Mais vas-y, je t'ai... Oh, c'est bon, il l'a eu dans la main. Alors tu vois, autant celui de gauche, c'est pas, il m'a pas vu, mais celui de droite, il m'a vu. Voilà. Alors, il est où?
Ok, lui. Je vais voir lui. Ah, c'est nettoyé. Et toi, t'es... Voilà. Ah non, c'est celui qui est venu se faufiler que j'ai eu. Donc c'est bon. Là, j'ai nettoyé entièrement le champ. Heureusement que ce secret agent là, il est pas. Ce 001 agent, il est pas chronométré pour le cheat code. Parce que je peux vous dire qu'il y a des trucs pour avoir des cheat codes. Il faut le faire en 0-0 agent. Eh bah bon courage. Hein. Hop. Donc se faufiler derrière le camion et ne pas aller trop vite. C'est bon, au niveau de la... Merci de n'avertir personne. Putain, j'ai failli faire un perfect sur cette première partie. Tu l'avais eu toi, Crypto, ce jeu, non? De bouger. Je parle pas au mec hein, qui bouge, hein, je parle à moi. J'avais pas la 64, j'ai joué au salon jouet de Lyon dans le Timon. Ah ouais, t'as pas eu la 64, toi? Ah ouais, t'étais de la team PlayStation. Ah, ta mère! Putain, il est... Ah, ça, les roulades spécifiques au jeu. Voilà. Pas les moyens de que d'une les moyens que d'une console et la PlayStation n'est plus complète. Ah ouais? Moi j'ai eu aussi c'est pareil hein, j'ai eu que les moyens d'une console et j'ai pris la 64 moi, de mon côté parce que Team Nintendo hein, tu vois t'as vu toi tu fais. Y'a personne sur les quais, c'est marrant ça. Alors. Non mais même à côté. J'arrive pas à viser. À part bon la 64, à part Mario Kart, Mario 64 et GoldenEye, plus Perfect Dark.
Au tout début. Parce que ceci dit, Perfect Dark est arrivé assez tardif. Mais il y a Thunder là, ou qu'est-ce qui se passe là? Je me suis fait niquer par une équipe où il y a personne. Le jeu a eu pitié de moi. Mais meurs! Le jeu a vraiment eu pitié de moi en fait. Oula, 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 oula! À côté de caisse? Pas la bonne idée ça. Je suis pourtant la team Nintendo, j'ai pas pris la 64, j'ai préféré la player. What? Meurs. Meurs, pourriture communiste. Oui. Meurs dans le bras. Mais il est pas mort. Prends ta place. Chut, j'ai rien. Est-ce que c'était la meilleure idée de changer de changer d'arme? Non mais là, je veux dire que cet été là. Putain de ta mère, mais... Mais laisse-moi te tuer tranquille. Voilà. Ah, est-ce qu'il y en a un qui... est-ce qu'il y en a un qui a la décence de venir? J'aime ces impacts des balles qui me gênent la vue. Elle avait Crash et Spyro. Ouais, bon, j'avoue. Et suivant. Merci. Et suivant. On avait 6. C'est bon. Ape Escape, j'ai jamais fait celui-là. Bon, eh ben on a réussi à faire le premier niveau en une heure. Putain, je suis carrément au revenu. Ouais, une demi-heure. Je pense que c'est une bonne moyenne.
N'oublie rien. N'oublie rien. Voilà, objectif à compléter, on a la ABC, il reste plus que le D, c'est-à-dire sauter sans... Complete, complete, complete. Sauter sans sauter du barrage sans aucun élastique, ça devrait le faire. Nickel. Et champagne! Alors attends, preview, c'est quoi l'émission? Entrez dans le laboratoire. Contactez l'agent double. Rendez-vous avec 006. Détruire tous les Tankin' the tous les conteneurs et essayer de ne tuer un minimum. Essayer d'avoir un minimum de scientifiques tués. On est tranquille. On est tranquille. Putain, il est. Je crois que l'agent double, il est à deux endroits. Une des meilleures cartes en multijoueur d'ailleurs, celui-là. Ils ont quand même réussi à faire d'une séquence dans le film qui dure 10 secondes. Ils ont réussi à en faire tout un niveau. Enfin, tu me diras, Dame, c'est pareil. Dame, c'est le début du jeu. C'est les 10 premières semaines, les 10 premières secondes du film, je veux dire. Alors. Il y en a un troisième, je crois, un quatrième. Et normalement, alors attends. Où les portes? Normalement, il n'y a plus personne. Hop. 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 Donc, il y a là, il y a son arme. Il n'y a plus personne. Ok. Personne veut faire pipi? Ah, ta mère. Voilà, on va nettoyer les chiottes. Il faut que je trouve la clé d'accès. C'est bon, j'ai la clé d'accès. On va même faire le nettoyage. Ça va, on se débrouille bien. J'ai perdu 60% de la vie. Ah ta mère, j'ai perdu 50% de ma vie. Putain, il y en avait
Il y en avait un qui était planqué. Mais... Mais planque-toi dans le mur, je te dirai rien. Alors... Apprendre à viser, ça me rappelle mes heures de collège. Est-ce que vraiment le mode 00 est fait pour moi en fait? Ça me rappelle mes petites heures de collège. Donc il y en a 4 dans les chiottes. Hein. Attends, il n'y avait pas un truc là-bas? Il semblait qu'il y avait un gilet pare-balles par ici. Vous voyez comme quoi c'est vraiment aléatoire. Donc il m'a eu une barre au moins, non? Même pas. Oh là 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 là, c'est ouvert sur le côté. Je me rappelle même plus d'autres jeux que Mario 64, Mario Kart, Mario Tennis, Zelda, GoldenEye, Perfect Dark, Superman 64. À tout hasard. Eh, il est où le mec? Il était par là. Jamais connu, et bah t'as de la chance. Alors, donc là. Voilà. Combien? On dit un bon 80% de vie. Superman 64, c'était vraiment une purge comme jeu. Alors, il est à peu près là. Putain, il y en a 3. Tu rush, mais voilà le brouillard. Ouais, bah ouais. Mais là, c'est pareil, hein. Il y en a, ils se plaignaient justement de cette nouvelle version de la 64 qui disait de GoldenEye. Ouvre-toi la porte! Ah bon. Parce que, en fait, ils ont enlevé le brouillard. Qu'il y avait dans ce jeu. Sauf qu'en fait, on voit la beauté des textures au loin. Bon, en même temps, attends à quoi hein, c'est la 64 hein, en même temps. Même s'ils les ont plus ou moins remis en HD, ils les ont retravaillés légèrement, mais c'est pas non plus ça, quoi. T'avais Crash Team Racing pour concurrencer un peu Mario Kart. Franchement, c'est le. Je crois que Crash Team Racing, j'ai. Bonjour? Eh, vous sortez d'où les mecs là?
Mais ils sortent d'où ces mecs? Mais ils sortent d'où ces mecs? Ok. C'est vous l'agent double? Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Qu'est-ce que j'ai à faire déjà? Entrez dans le laboratoire. C'est la porte d'après. Contacter l'agent double. L'agent double, putain, il est à deux endroits. Il est à droite, mais il est à deux endroits. Et lui, c'est barré. Pas toi, l'agent double, hein. Ok. Un double agent double. Exactement. Il a une tête spécifique, genre... Il a presque sa tête à lui. Il y a quelqu'un ici. Il y en a un qui patrouille. De mémoire, voilà. Oh, il a eu un petit problème de cou, lui. Je vais mûrir! J'ai pas vu... De où? Je vais peut-être baisser la difficulté. On va se mettre en agent secret, c'est en agent secret. Alors attends, vu que si je me remets en agent secret, au moins que j'essaye d'avoir ce cheat code. Est-ce que... La question c'est, est-ce que je vais y arriver? Ah oh bah déjà ça commence bien. Donc le but c'est vraiment d'aller vite. Ah. Merde, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. J'ai besoin de ton arme, merci. La technique du snaking. J'attends pas le camion. J'attends pas le camion. Il m'a presque pas vu. Il est devant moi, il m'a pas eu quoi. Ta-da.
Tu vois, la mission d'un agent secret, c'est quand même d'être discret. Moi, je suis tellement discret que j'arrive pas à exploser les trucs. Voilà, hop. Donc c'est 2,20 je crois, pour avoir le code. Hop là. Et c'est pour avoir le paintball. Paintball en multijoueur. Alors, combien de temps? Ouais, 2,40. New cheat available. Donc ça veut dire qu'en multijoueur, j'ai le cheat option. Dégâts de zone. Vous avez débloqué le mode paintball en terminant dame en agent secret. Les cartes Pokémon, ça progresse? Pas du tout. Alors sachant que sur le cheat mode, si on active des cheat codes, on peut plus valider les missions. Ta-da-da. Alors attends, c'est quoi les missions en secrète? Entrer dans le laboratoire, contacter l'agent double, rendez-vous avec... C'est exactement les mêmes que le mode secret agent, mais les balles elles font moins mal. Merde. Non, merde. Ah, les balles à eux font moins mal. Et moi, je peux tuer un peu mieux. Vu comment j'y vais tranquille. Tellement je suis sûr d'avoir... Et hop, un gilet par balle là. Donc là, y a personne, c'est bien dedans. Ce labo où il y a quelqu'un là et désolé hein. Désolé messieurs, j'ai explosé vos éprouvettes. Ah, mais ouvre! Je vais avoir par le bruit. Ah. Ok, on y va. On y va en mode bourrin. Bonjour, non, c'est pas toi. Des fois, il laisse tomber des cartes. Eux. Alors, c'est pas des dracs au feu niveau sympa, mais. C'est pour ça que tu. Vous ne m'avez pas vu. Non, 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 tu meurs pas. Non, c'est pas toi. Pas toi. Mais d'où tu viens par l'arrière, toi?
Mais d'où tu viens par l'arrière aussi, toi? Appuie un peu. Ok, donc là la porte est fermée. Dont là, deux mères. Il y en a deux là-haut. T'es qui? Non, c'est aucun de vous deux. Ah, je suis allé dans le labo secret, c'est... il est pas là. Ah, c'est toi. Ok, c'est bon. Agent double, défoncé. Agent double, c'est bon. Donc j'ai deux missions là. Ah non, je suis même pas rentré dans le labo encore. Attends, j'ai vu un truc qui m'inquiète. Je vais mener Penny. Va changer. Non, c'est bon. Logique. Mission A remplie. Mes autres missions, c'est... Alors, attends. Contacter l'agent double, donc complet, complet. Rendez-vous avec 006, Détroit... Ok. Et minimiser les... Les tirs. Ok, il y en a... Il y en a deux là. Et là, il n'y a plus personne. C'est bon. Ok. Hop. Ok. C'est loqué. Portez loqué, fait chier. Pas une carte? Pas non plus. Oh!
J'espère que c'était pas un des scientifiques qui l'avait la carte. Mais non! Attends. Merci. J'ai eu peur. Salut. Alors. Donc. Nous avons des bombes à poser. Remote. La remote, une des meilleures armes de GoldenEye. Donc c'est une sur deux. J'en ai que cinq. Il faut que j'attende qu'il meure. Ok. Hop là. Bon, on n'a pas vu que Trevelyan est mort. Hein. Mais c'est ce qu'il faut se dire. Et on va passer. Comment ça va? Runaway, c'est quoi? Alors, attends. C'est quoi le temps de celui-là? Quand? Combien? Ok. Alors j'ai des grenades. Ça va, ça va. Oh bah ça commence bien. Des mines à repartement. Salut toi. Je sais que tu m'as vu. C'est quoi là? Ah non! À la Xbox! Tiens! Oui, avec deux meilleurs. Ah oui, effectivement, avec deux meilleurs contrôleurs. La manette de Xbox! Surtout que j'ai remappé les touches pour avoir le truc le plus optimal. Alors, trouver les clés de l'avion, détruire la batterie de missile et échapper en avion. Morte. J'ai la clé de l'avion. On peut pas y jouer clavier? Je crois pas. De toute façon, on peut pas y jouer sur PC, alors... Pas de meilleure arme? Non, mis à part les gones. Non. Lui, il est en face, il est censé me voir, il me voit pas. Tu sais, c'est GoldenEye, c'est un peu le tu me vois pas, quoi. Oh, salut toi.
Allez, action, fin du niveau. Si l'IA a pas changé, tu peux être devant eux et ils te voient. Oui, carrément. Carrément. Best time. C'était quoi le temps de celui-là? En secret, je sais plus. En agent, je sais plus combien c'est. Attends. GoldenEye. J'ai déjà galéré en agent 00 à faire le premier niveau et le deuxième aussi. Alors. Runaway à n'importe quelle difficulté. Ok. Alors. Qu'est-ce que les. Qu'est-ce que la table. Alors, DK mode. Runaway en dessous de 5 minutes. En difficulté agent. Je l'ai pas eu, hein. Hop là. Et bah, tu sais quoi? On va la refaire en agent. Find is. Ouais, non, mais il y a des fois, où t'étais juste devant et là, ça s'est vu sur le niveau précédent. Salut! Et là, tu vois, t'as plus qu'à courir. Voilà. Et je crois même que des fois, ton avion peut exploser alors que t'es dans la cinématique. New cheat available. C'est vraiment le DK mode, c'est le plus facile à voir. Se frapper la poitrine. Vous avez débloqué le DK mode. C'est quoi? Attends, elle est où la. Succès. GoldenEye. Suivi de succès, merci. Et je veux voir ceux que j'ai débloqués. Ah bon? Non. Tous les succès. Merci. Tous les succès. GoldenEye. Tadadam. Donc se frapper très. Se frapper la poitrine, c'est le must. En voulez-vous, ouais, n'importe quelle. Ok. Facility, n'importe quelle difficulté. Ah quoi? Essayez de viser 2 minutes 5. Je l'ai eu, hein, celui-là. Essayez de viser 2 minutes 5. C'est quoi? Facility en 0-0 en moins de 2 minutes 5. T'imagines? C'est faisable, hein, c'est faisable. C'est le mode d'invincibilité. Donc là, on va faire surface. Et surface, c'est en combien de temps? Hop là, merci. Moi, je veux un tableau. Alors, là. Egyptian. 007 007 en. Putain, pour avoir le mode 007, c'était quoi déjà le mode 007? C'est une balle tu crèves, c'est ça? Ou c'est tout. Où tu peux modifier tout? Je sais plus. Alors. All multipliable characters. Terminer le mode d'agent. Terminer l'histoire en mode agent et au-dessus. Ok. All guns complete. Egyptian. Terminer Egyptians en mode 0-0 en moins de 6 minutes. Ouais. Aztec level. Compléter tous les niveaux en mode secret. DK Big Head Mode.
Runaway en moins de 5 minutes, ça on l'a fait. Egyptian level, terminé tous les niveaux principaux en mode 0-0 agents, difficulté ou au-dessus. Je sais pas ce qu'il y a. Sachant que t'as besoin pour avoir le mode au-dessus de 0-0 agents, t'es obligé de terminer Egyptian en 0-0. Complete Street en dessous de 45 minutes en nageant. Alors attends, c'est lequel le niveau suivant? Alors déjà, c'est Surface. Surface. Ah, deux armes. Putain, je viens de comprendre. Voilà. On va éviter de... Alors, Surface. Qu'est-ce qu'on a en niveau Surface? Surface. En secrète. Surface 1 en 3.30 en secrète agent. Ok. Alors. Order in communication. Ok. Donc, désactiver les communications. Obtenir la clé de sûreté. Voler les plans du building. Et entrer dans la base par la... Ok. Ça, c'est entrer par la mission D, c'est la plus simple puisque c'est la fin du niveau. Steal building plans, obtain safe key, power down communication dish. Les communication dish, les boutons de communication, ils sont en haut de ces tours-là. Je crois qu'il y en a deux. En 3 minutes ? En 3-3, je vais devoir courir. Je vais devoir courir. Salut toi. Très carré. J'ai obtenu des grenades. Putain. On va le refaire deux fois, je pense, le niveau. C'est là, on repère les lieux. Alors, j'ai une grosse clé. C'est pour laquelle la grosse clé? En arrière. À toi. Hein. Si. On a la safe key. Ok, donc il faut... courir au fond, avoir la safe key. C'est quoi, c'est un sniper que t'as, toi? J'ai carrément le sniper.
J'ai les plans. J'ai la safe key. Il me reste plus que les communication dish. Normalement, les communication dish. Donc, cette tour. 3 minutes 30, c'est faisable. C'est largement faisable si je cours un peu. La sortie. La sortie est dans un coin. C'est notre sortie. Let's go! Combien? Ouais, je pense que j'ai 4 ou 5 minutes là. Hein. 4:36, target 3:30. J'ai une minute de trop. Deux armes. Ok. J'ai une minute de trop. Une minute de trop. Pas cette maison là. C'est cette maison là qui va me permettre d'avoir la grande clé. Celle-là, on est d'accord. Donc, salut. Là, j'ai la grosse clé. Donc je retourne en arrière. J'ai la clé de sûreté. Ensuite. Vous voyez les impacts de balles? Eh bien, s'ils sont pas plus gros qu'une pièce de 2 euros. Et hop. J'ai les plans du bunker. Il reste plus que les plans à défaire. Les communications à défaire. On est sur un bon timing là. On est sur un bon timing. Chut, 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 chut.
Ah. Let's go! On est à 3 minutes là, je pense. 3-18. Ça va! L'art de l'explosion. Vous avez débloqué le lance-grenade x2. Merde, j'ai pas vu les missions. Bon, là, le. Dans le bunker, le. C'est du. C'est vers l'arrière bunker. C'est du. C'est du 00 Agent, je crois. Alors. Défoncer toutes les caméras de surveillance, copier la clé du GoldenEye et laisser l'original. Photographier l'écran principal. Ok, et ensuite sortir du. Oh là là là, non, 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 toi t'appelles personne. Ah, c'était l'autre côté du bang du truc. De là où je, par où je suis arrivé. La porte est verrouillée. Wow. Merde, ça veut dire que la caméra m'a vu. Je viens de par là, c'est ça. Y a une caméra en face, ok. Salut Boris! Voilà. Alors déjà. Hop! Objectif A complété. Il a tué Boris! Non, c'est bon. Alors, on va faire la copie de la clé. Alors, Key Analyzer. Voilà. Attends. Objectif B complète. Mec, je crois que j'aurais pu. Analyser le comment et où la caméra, merci. Et voilà. Alors, ce qui m'éclate aussi, c'est que la caméra 007. Voilà. Ça m'a toujours fait rire. Et on se casse tranquillou.
Alors, pas si tranquillement que ça. Bye bye! Alors ça, cette mission-là, normalement, n'est pas dans le jeu. Dans le film. Celle-là non plus, je crois pas. Ça, c'est si lourd. On tire sur les caméras. Si lourd en nageant en moins de 3 minutes pour avoir le mode turbo. Alors attends. Donc photographier le satellite. Obtenir les données télémétriques. Récupérer le circuit du satellite. Et éviter de scientifique. Salut les gars. Personne, personne, personne. Alors, je crois que c'est toujours à droite. Peut-être baisser sans. On va voir du monde. Oh, merci. Circuit board. Card. Si. Voilà. C'est mal joué. Je l'ai mal joué. En fait, le problème, c'est que je ne sais plus. Attends, déjà, je voulais la faire en agent. On a dit moins de 23:30, hein. 33 minutes. J'ai juste repéré. C'est quoi ma mission? Photographier le satellite et minimiser les pertes scientifiques. En fait, faut pas oublier de. Personne à droite, à gauche. Et l'inverse d'ailleurs. Bili 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 bili.
Ce n'est que moi, je passe. Petit card aussi. Reboard. Ouais. Oh. Vraiment? C'est vrai que c'est rapide dans ce mode là. Ah, il est où le... Hop 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 hop. Une keycard. C'est bon, je l'ai eu. Ah mais nul, c'est chaud quand même. Ici. Caméra, voilà. Oh putain, t'avais pas de carte, putain! Quoi qu'il y a la carte. Je pense que je l'ai pas. Si long en 3 minutes, je pense que je suis à 3:30 là. 3:36, ouais. Roquette de la vieille école. La clé. Oh non! Ah. Trop de scientifiques tués. Clé. Merci. Un décalage du son.
parti. Je fonce, les gars. Je fonce, les gars. Les gars, les gars, merci. Désolé les gars, mais j'ai pas le temps. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi Turbo Mode? Ah. Voilà. Boost, vous avez débloqué le mode turbo. Bon, alors on va continuer. On va le refaire en mode agent secret. Et là, du coup, on va le jouer tranquillou. Toi, là. Regarde les fois que il y a un circuit là. Circuit de board. Un truc, je sais pas quoi. Elle l'a tué.
Y'en a d'autres? Y'en a d'autres? Allez, viens. Eh les gars, eh! Pas de clé? Bon. Pas de clé. Je vois pas ce que c'est cette mission. Une manette de... Non mais casse-toi, Roumov! Voilà. Alors attendez. Tilo, GoldenEye. J'ai mal joué là sur ce coup-là. Qu'est-ce que j'aurais potentiellement oublié? Non. Oui. Comment ça, qu'est-ce qu'on le veut? En train de regarder, il y a un truc qu'il faut. Il y a des data. Retrieve satellite circuitry. Récupérer les données de satellite. Les circuits satellites. Ça, c'est quoi? Ah. Ah. Expand map. Alors, on est, c'est dans le silo W. C'est juste avant le silo W. Non, alors, le silo W, c'est là où on commence. Ok. Alors, normalement, c'est au troisième étage. C'est là que je dois récupérer. Ah non, c'est que. Allez. Ah, attends. Et puis, circuit de board. Ok. Aïe, au circuit de board. Ok. RSP. Ah, non, d'accord. Il faut. Ok, bon, je vais essayer comme ça. On y va, tranquille.
C'est toi qui as la carte. Hop, hop. Ok, donc j'ai eu deux circuits de board. Au second niveau, il y a un circuit. Oh là, c'est dangereux là. Tac, tac. Donc on est d'accord. Là, j'ai récupéré le RSP et il me manque... Au troisième niveau, il y a le RDP circuit board et ensuite c'est les données télémétriques. Mais si tu te planques dans le mur aussi là. Combien de vie? Tu beaucoup. En fait, ce qui va faire chier, c'est Roumoff. Alors, objectif B rempli. Objectif B, c'était obtenir les data télémétriques. Ok. Donc, l'objectif C, c'est rempli, qui était obtenir les circuits satellites. La keycard. Wow, 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 wow. Là. Faudrait voir ce que j'ai pas de bombe. J'ai le plastique, mais c'est pas pour ça.
Il reste combien de vie? Ouf. Vous avez rien, les gars. Et sortez de là, sortez de là. Je vois, hein. Ouais, vers une mort certaine. Vite, 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 merci. Et yo, guiche! Comment ça va? Il boulot là? Je me demande si j'ai pas loupé un truc! Non, c'est bon. Pouf. Alors, là, on est sur la frégate. Frégate. C'est combien? Et 4,30 en secret agent. Oui et non. Non, c'est pas... Non, c'est pas normal. D'ailleurs, attends. Alors. Ok, il y a une bonne demi-seconde. On va faire ça. Hop. Activer, activer, tac. Ah, non. Oui. Ah, mais non, mais attends, ça a rien fait en fait. Voilà. Hop, et réactiver. Normalement, ça devrait être bon. Ah bah maintenant ça va faire sauter le son. Non non non, t'as raison hein, t'as raison. Je crois que ça refait sauter le son. Merde, c'est quoi les objectifs? Désarmer la bombe sur le pont, rescue les otages, donc sauver les otages. Désarmer la bombe dans la salle des machines et planter un tracker sur le sur l'hélicoptère. Ok. C'est combien? 4,30. Ouais, ça grésille. Ouais. Mais depuis le début, hein, j'ai redémarré le PC tout à l'heure en plein live hein, pour pas que ça grésille. Mais c'est. Non, mais. En tout cas, sache que non, tu ne fais pas chier ton monde. C'est très bien de le dire. Moi aussi, ça m'arrange. Pas mieux que je le prenne de l'autre côté. T'as juste masté Astérix. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Ça m'intéresse parce que j'ai envie d'aller le voir en soi, mais j'ai quand même de gros.
Et cringe. Ah merde. Et tuer. Non, c'est bon, c'est considéré comme incomplet. Le silencieux sur celui-là. Ah, y'a quoi là? Ah ouais? Oh, c'est de l'humour raciste. Attends. Après, il est moins pire qu'au service de Sa Majesté. D'accord. Il faut que j'en libère un minimum de 4. T'es désarmé, putain, j'appuie sur action, je l'ai armé. Peut-être dû aux acteurs principaux. Ouais, ça peut être dû à ça aussi. Je peux comprendre tout à fait. Hop là, hop là. Non mais c'est fallait s'y attendre en soi. Hein. On a écrit de l'humour sur un autre pays.
Comment ça, otage exécuté? Où ça? Ah putain, celui-là. Ça m'a niqué ma mission? Oh. Oh, c'est les triplés là. Hein. Mission Cléopâtre demain soir sur TF1. Oh, bien. De toute façon, pour l'instant, c'est la meilleure adaptation d'Astérix. Et tu es mort. Il était toujours pas mort. Attends. J'ai refait le grand tour pour pas grand chose. Donc ici... César était pas mauvais, même Jeux Olympiques. Non, Jeux Olympiques, je suis désolé. Il est tellement mauvais. Objectif C complet. Désarmer la bombe du pont. La bombe du pont. La bombe du pont. Mais là... Là où je suis d'accord, au service secret de Sa Majesté, il était vraiment pas ouf. La bombe du pont. Mais quel pont? C'est le pont supérieur? C'est le pont inférieur? Je sais pas, moi. C'est devant une bombe, voilà. Ah, celle-là. Voilà. Donc j'ai fait... Normalement j'ai tout, hein. Complete, complete, complete. C'est bon.
Bon, j'ai absolument pas 4... complexe 4-30 celle-là, hein. Pas de radar en multiplayer. Combien j'ai mis 10 minutes, non? 5 minutes 55? 5 minutes 51? En même temps, c'est parce que j'ai cherché la bombe du pont. À la limite, je peux le récupérer. Je vais essayer, hein. Je ne promets rien. Il me faudrait un petit temps. Pour être sûr. Mer d'huile. Vous avez terminé frégate à n'importe quelle difficulté. Waouh. Pam 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 pam. Alors. Il me faudrait le. Alors, attends. Il me faut tous les. Otage. 1, 2, il y en a 5 en tout, hein. Bah non. Pas possible. Alors attends. Start, exit. Alors attends, le pont. Je suis en train de regarder sur un plan, hein, pour vous dire. Menacé, ok. Main deck, bridge deck. Voilà, c'est ça. Un, deux. Un de ce côté-là, deux de ce côté-là. Ok, ok, j'ai compris. Je vais reset la mission. Donc là, il faut déjà que je l'aborde de ce côté-là. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Alors attends. J'ai compris. En fait, c'est pas. C'est, ils ont mis des numéros au lieu de. Ok. Complètement idiot. Pardon, excusez-moi. Alors, hop. Oh, objectif complet. Et ça m'a... Putain, ça m'a tout niqué. Je pense que ça va être la dernière mission. Hop là. Vous n'avez rien vu. J'ai pas exécuté l'otage.
putain, quand je vais avoir ce putain de cheat code. Ouais, quel mal poli. Non, mais je suis d'accord, je suis mal poli, mais là, ça me saoule. Il va reconnaître de mauvais caméras ton enfant, ouais, mais carrément. Surtout que j'arrête pas de reprendre tout le monde sur leur vocabulaire en ce moment. Je dis, moi je vais avoir un gosse! Alors que j'étais le premier à avoir un sacré vocabulaire devant les gosses des autres. Ok, le diffuseur. On est bon. On élimine. Même pas vu, moi même pas vu, oubliez-moi. J'étais bien parti, fais chier. Vraiment, c'est la dernière mission, hein. Bah, le problème, c'est que... En fait... Est-ce que t'as déjà joué à GoldenEye ? Guy. Que tout nettoyer, ok, mais quand t'es limité par le temps pour avoir un putain de code... un putain de code multijoueur... Parce que après, il va falloir que je me le refasse tout le jeu en mode 0-0. Sinon, je suis d'accord hein, pour tout nettoyer. Hein. Pas de souci. Je l'ai pas activé. Qui c'est qui m'a... Putain, vieux... Mais t'as bien vu. Normalement, il aurait pas dû venir celui-là. Je l'ai, il m'a pas vu. Je comprends pas pourquoi il est venu.
Est-ce que je commence à rigoler parce que ça commence à me saouler? Non, l'otage, c'est normal qu'il se barre. Mais en fait, il se barre par un chemin qui me réveille plein d'ennemis. C'est bon, en face. Voilà, donc en fait... Voilà, merde. Ferme cette porte. Ferme cette porte. Non, ferme-la, j'ai dit. Bon, tant pis. On va faire le diffuseur. Ok, on est bon là. Non, putain, tu vois. Déjà, il y en a un sur les cinq qui est mort. Et je crois qu'il faut que j'en... J'en rescue au moins quatre. Ok, pas là. Déjà, on est bon. Hop. Ah non, mais moi je joue pas à Code et à R6, t'es fou toi. Ok. D'abord. Enfin, normalement, j'ai tous les otages. Ça a été fait. Ça a été nettoyé. Et donc, on va par là, je crois. Oh, autre. J'espère que j'ai le bon temps. Je l'ai envoyé trop bas. Thank you.
À la baffe! À la baffe! Oh, ça a explosé derrière. Et je pense pas que ça soit le bon truc qui a explosé. Mais dans le doute, on refait. Mais oui, mais c'est ça. Voilà, tu vois, regarde, il ouvre cette porte. Voilà, ok. On a safe. Le problème, c'est que j'ai perdu plus de la moitié de ma vie. Attends, ouais. Bon, dernière fois parce que ça me saoule. Ouais, il est pas si facile que ça en vrai, hein, le jeu. Bon, aussi parce que je suis une grosse quiche, mais... Où ça? Là-bas? Je comprends pourquoi il a pas fait un genre secret. Même sur console, je suis mauvais. Bonjour, bonjour, je suis le nouvel OSS 117, mais alors tu me retires tous les grades, quoi. Ok. Ta-da. Y'a rien. Mais même là, je vise à côté, quoi.
Ah mais l'IA elle est connue où ça? Qui? Merci. L'IA elle est connue pour pas être fuite-fuite hein, là-dedans. Remonte au pont supérieur et c'est par où, par où, par où. Après, si c'est les Russes, ouais. Les Russes. Déjà, ils ont du mal contre les Ukrainiens. Putain, j'ai un doute sur le temps. J'ai un doute sur le temps. J'ai un doute sur le temps. C'est bon. Je l'ai eu et c'était pour avoir pas de radar en multijoueur. Voilà. Enfin ouais. Tu vois la dernière c'était la bonne. Donc là le prochain, je pense que le prochain live sur GoldenEye. Alors je sais pas si on se fera du multijoueur cette semaine parce que c'est pareil. Tu vois le multijoueur sur la Switch. Alors il est bien, hein, il est bien. Mais j'aimerais bien débloquer quelques petits modes avant. Donc, ça signifie également, pour avoir les petits modes... la précision, ouais. Pour avoir les petits modes, ça signifie... Il est lent, hein, celui-là. Ah, regardez mon écran, vous avez débloqué pas de radar multi, pas de frégate. Ça signifie, en fait, du coup... refaire le jeu sur la Switch, parce que le online n'est que sur la Switch. Mais ça peut être marrant de se faire un GoldenEye en multi. Si ça vous dit. Si ça vous... Bien sûr. Et bien sûr, j'inviterai Crypto à venir jouer. Cela va de soi. Non, qui s'en pense, Crypto? Allez, bien joué la prochaine fois. Bon, j'ai fait combien de missions? T'as pas le online plus? Oh non! T'as pas les jeux sur Switch 4? Mais tu l'avais, on avait joué à Mario Kart à un moment, tous les deux, non? Ah ouais, donc en fait, GoldenEye, on l'oublie, quoi. On n'avait pas joué à la 64 ensemble. Persuadé. T'es nul. Donc pas de GoldenEye du coup. On a fait un tiers du jeu en vrai. T'as eu que celui de base, d'accord, je vous laisse. Toi tu pourrais, t'as le super guiche. Mais c'est marrant qu'il y a... En fait, c'est ça le pire, c'est que... Ils ont laissé GoldenEye en multi sur la Switch, alors que le online de la Switch est pérave de chez pérave. Mais en plus, c'est-à-dire que le multi, c'est tu émules. En fait, tu émules déjà la console et c'est quelqu'un qui, c'est la personne qui hoste le jeu qui va faire le truc. Et c'est pas dimanche prochain, j'ai dit. Maintenant, le online, je pense qu'on va le faire en semaine. C'est pareil, tu vois, il y a Mario Kart, je sais même pas quand c'est sur le prochain DLC, mais j'aimerais bien faire un peu de Mario Kart d'ici là. Mais enfin! Comment ça? T'as repris le boulot en semaine? T'as repris le boulot en semaine?
Et je te fais pas avoir. Attention. Allez, sur ce, les Rangers, on va se faire des bisous. Moi, je vais vous remettre la petite soundtrack de GoldenEye. Je sais même pas quelle online j'ai. En général, t'as le basique. Le plus, c'est celui que tu payes 30 à l'année. 20 ou 30, je sais plus. 20, c'est la Switch. No, c'est le Switch normal. Et je crois que 30, c'est. 30 ou 40? Je sais plus. Et les vacances, ils sont tous. D'accord. Bah, du coup, c'est pour 2 semaines. C'est 20 et 40. D'accord. Et je crois que c'est 30 et 60 pour le multi-partagé, je crois. Oui, mais l'abonnement familial, du coup, si tu dois payer 20, tu dois payer 30, je crois. T'as plusieurs Switch. Parce que moi, j'ai l'abonnement familial, mais du online plus. Et c'est le moment où tu finis tous les murs, je sais pas, mais. Du coup, les vacances. C'est déjà les vacances? En tout cas, c'est quand même meilleur de jouer à GoldenEye avec la manette de Xbox et surtout avec des contrôles qui sont légèrement adaptés. Hein. 35 a priori. Ouh, alors soit ça a augmenté, soit 35 euros. Bah ça, c'est le pack de base alors. Parce que le Online Plus Expansion, là, le Switch Nintendo Switch Online. Expansion New Game Plus, là, il est à 40 euros de base, juste pour une personne, et je crois qu'il est à 60 ou 70 pour le mode familial. Donc toi, tu dois avoir le mode familial du online normal, pas 70. C'est ça. Je devrais mettre un fond, moi, quand je... Attends, j'avais pas un fond. La photo ici. Voilà, très bien. Ah, c'est mieux. Quand c'était rangé derrière. Normalement, les dés. Ah, 35 et 1 avec les DLC intégrés. Et justement, le New Game Pass Expansion Plus, là, c'est celui avec les DLC intégrés, mais du coup, t'as deux trucs. Parce que moi, j'avais. Justement, moi, j'avais l'abonnement familial parce que j'ai ma famille qui joue dessus aussi, tu vois. Et j'ai pris exprès le Game Plus, là, le Expansion, avec la 64 pour pouvoir y jouer. C'est quoi ça? Woman King. Ah non, c'est. Prendrai le Online Plus quand ils rajouteront les jeux Game Boy et Game Boy Advance s'ils le font. Je suis même pas sûr qu'ils le fassent. Ceci dit, ce serait con qu'ils s'en passent. Parce que la console virtuelle sur la 3DS, il y en avait. Hein. Mais il y avait la NES sur la 3DS virtuelle, je m'en rappelle plus. Ify Rush sur le Game Pass, il est sympa comme jeu. Oui, j'aimerais bien le faire. Je pense qu'une fois que j'aurai fini Metroid, je mettrai dessus. D'ailleurs, attendez, je vais aller le chercher. Je crois que j'ai même pas pris les jeux du mois. Attendez. Hop. Et comme ils ont changé, bien sûr. Jeu du gold. Hop. Iris Fall. Je n'ai pas. On peut pérave les jeux gratuits de ce mois-ci là. Regarde déjà qu'on en a déjà deux demandes depuis un certain temps hein, parce qu'ils veulent plus mettre le chose. GoldenEye, donc if Hi-Fi Rush, je vais l'installer. Comme ça, c'est fait. C'est tellement mal foutu les comptes sur Switch, je suis tellement d'accord.
Ouais, je disais du coup Hi-Fi Rush, je vois beaucoup de gens passer dessus qui donnent des très très bons avis et je pense que je vais le faire. Je pense vraiment que je vais le faire. Ça peut être vraiment cool. Ça rappelle un peu, tu sais, déjà c'est dans la patte graphique quand on regarde un peu. Attends, je passe là. Ici, quand on regarde la patte graphique de Hi-Fi Rush, ça rappelle un peu Jet Set Radio Future dans l'idée. Sauf que c'est pas vraiment le même jeu, mais dans la patte graphique, hein, je parle. Ça a commencé, il est fun. Ouais. Je pense que ça va être le dernier. Ah non, c'est un Bethesda Software. Un jeu Bethesda. D'accord. Ah, je pensais que c'était un indé. Mais ouais, non. Celui-là est dans ma liste. Ouais, le chara design, il est vraiment cool. Et comme je dis, en fait, il me fait vraiment penser au. En plus, il est pas cher en vrai. Il est à 10 balles le jeu. C'est qui l'a fait? Parce que autant c'est Bethesda Software, mais qui l'a fait? Publié Tango Gameworks, c'est qui eux? Tango Gameworks. C'est un studio japonais. Ils appartiennent à ZeniMax Asia, donc c'est normal que ce soit Bethesda Softworks. Actionnaire Microsoft, ouais, bah ouais. De Microsoft, de Xbox Game Studios. Ah, c'est un jeu de Shinji Mikami. D'accord. Ah, en tout cas, du studio de Shinji Mikami. Ghostwire Tokyo. Ah ouais. Bon. Ah oui, dans la description. Le studio derrière les villes, The Evil Within et Ghostwire Tokyo. Ok. Ouais, je regardais là. The Evil Within et The Evil Within 2. Yes. Et Ghostwire, il apparaît quand là sur Xbox Series, là, d'ailleurs? Il est déjà, non? Il y a les personnages. Les personnages, je les ferai pas. J'ai regardé chez un pote, ça m'intéresse pas des masses. Mercredi, on va continuer le livre dont vous êtes le héros. J'ai commencé à regarder pour faire une petite interface justement sur ce truc-là. Attends, Ghostwire. Il y est pas par hasard? Non, il y est pas. Ça doit être encore une exclusivité PlayStation 5. Il sortira prochainement sur Xbox Series, d'accord. Ok. Ah bah il est sorti en 2022, donc il y a au moins un minimum un an. C'est une exclu temporaire de la PlayStation. Attends. Ghost Wire Tokyo Xbox. Mais en plus, Hi-Fi Rush, je crois qu'il est sorti de nulle part, je crois, en plus, ce jeu. Alors attention. C'est une rumeur sur le fait qu'il sorte sur Xbox en mars 2023. Parce que... En fait, normalement, je crois que c'est une exclusivité d'un an. Mais comme ils ont rajouté... Comme ils ont rajouté... Je vous dis sur PC. Bon, non, j'ai pas la. En fait, le problème, c'est que ma config, elle se fait un peu vieille et j'aimerais bien l'upgrade, mais j'ai pas les sous pour le faire. Donc, avec l'arrivée de la du mioche ou de la mioche. Ça va être compliqué. Deathloop, il est là. Deathloop, peut-être un jour. C'est juste pour récupérer la licence, hein, que j'ai fait.
Et peut-être finir un jour Outer Wilds et Ori. Et Sonic Frontiers. En fait, le problème de Sonic Frontiers. C'est qu'autant c'était vachement bien au début. Alors là, je commence à me faire chier sur le jeu. C'est quoi qui pêche? Le pro, en fait, si tu veux, il faudrait que j'ai un deuxième PC pour le streaming. J'ai qu'une 1080 en carte graphique. J'ai récupéré il y a 2 ans. Pour pas très cher. Mais là, c'est devenu n'importe quoi, hein, les prix des cartes. On a regardé, j'ai un pote, il a refait sa config juste avec les prix actuels du marché. Son PC, il vaut quasiment 2000 balles. Alors qu'il l'a acheté 1200 balles. A explosé les prix. Et il a pas une config plus que moi. Hein. C'est genre. Je crois qu'il a un proco qui est légèrement supérieur. Et la carte graphique, je crois qu'il est passé sur une 3070, je crois. Et pas longtemps, mais il l'a. Dites merci au mineur. Bah. Ça vaut plus rien le minage en ce moment non plus. Déjà en Chine, c'est parti quoi. Enfin, je crois qu'ils ont plus le droit de miner en Chine. Bon, Ifi Rush est téléchargé. Donc je pense qu'on le verra plus tard. Enfin, bon allez mes rangers, je vais vous faire des bisous. Mardi soir, je sais pas ce qu'on fera encore. Si j'ai le temps d'avancer sur Metroid Prime pour récupérer la version GameCube, bien sûr. Après, pour jouer une RX 6500, ça fait largement l'affaire. Ouais, mais ouais, carrément. Mais lui, moi, je regarde. C'est vrai que je pense que je vais passer entièrement sur du AMD configuration. Parce que j'ai déjà un proco AMD, moi. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à mardi. Mercredi, la suite du livre dont vous êtes le héros. Et mardi, je sais pas encore. On verra. Des bisous. Passez une bonne nuit. Et à mardi. Bye bye. Ah bah bien sûr, ça a coupé la musique. Comme d'hab. Des bisous.